à tous, c'est The Man Big. Et aujourd'hui, nouvelle petite vidéo. Ah. Merde. Nouvelle petite vidéo, on est sur le serveur mystique. Et on est avec l'armure tech encore. Évidemment, et ça y est, le super speed marche enfin, j'ai réussi à le set, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, les gars, le programme sur mystique. Ah oui, c'est vrai que j'ai le flingue en main. Le programme avec mystique, les gars, aujourd'hui. Ça va être justement de tester les dernières nouveautés, enfin les dernières nouveautés, les dernières choses que l'on n'a pas vues de Mystic Extinction. Donc les derniers monstres qui ne sont jamais apparus sur la map. Et pour ça, je vais les faire spawn, évidemment, parce qu'ils n'apparaissent pas naturellement sur la map. Et du coup, on va aller voir ce que ça va donner, du coup. Eh ? On va rester avec l'armure tech, parce qu'elle est vachement drôle et qu'elle est trop bien. Et en plus, maintenant, il y a le super speed. Où je vais aller ? Je vais aller vers là-bas. Est-ce qu'on peut se déplacer Ok... Non, faut pas tourner, j'ai l'impression. Il mange les arbres, ok, très bien. On va se mettre en mode shift. Ensuite, est-ce qu'on peut accéder? Oh, nice. Ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Du coup, là, on va arriver sur la petite plage. Regardez ça, on va exploser les cailloux. C'est tellement bien. C'est tellement smooth. Regardez ça. Et il contempla la puissance de son énergie. Pendant qu'on me poque sur Steam, putain. Sur TeamSpeak. C'est énorme. C'est énorme de ouf. Du coup les gars, on va commencer à invoquer les premiers monstres. Ou d'abord je vais faire un petit vide. Il s'enfuit en plus. Ça fait pas tant de dégâts que ça, mais il y a un petit knockback, donc c'est assez stylé. Bon, je pensais que les projectiles allaient beaucoup plus vite. Le mec il galère à buter un Fiomia. Oh, meurs! Recharge. Ah non, il y a la surchauffe, c'est vrai. Bon, on va éviter alors. Ah ouais, on voit la surchauffe, là ça devient vert. Là du coup, si on lui en met plein la gueule. Voilà, là il a pris de cartouche. Et lui aussi, il a pris cartouche dans la gueule. Du coup, il était vachement résistant, ce truc qu'on a poursuivi. Il va se barrer, très bien. Du coup, les gars, on va commencer à invoquer le Minotaur. Et ça fait encore ce truc, c'est très chiant. C'est très chiant. Alors, le Minotaur, il est là. Hop, 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 hop. On est bon. Ok, il spawn pas. Est-ce qu'il y aurait un problème dans le code? Bon, du coup, les amis... On va commencer à invoquer les dinos que l'on n'a jamais vus. Et j'espère que les codes marchent du coup, hein, comme on les a jamais vus. Il y a le Thunder God. Alors le putain, c'est extrêmement chiant ce bug de merde. Le Thunder God. Hop, je sais pas du tout à quoi il ressemble. C'est ça. Oh putain de merde. Cours! Non, oh, oh. Oh! Moi je me casse. Non mais arrêtez de me casser les couilles. Oh, c'est quoi ce truc? Il m'a ralentissement en plus. Non mais le trop don est... Oh non. Attention. Shit. Infinité stat. Oh, je survis. Enculé. Non, j'en ai marre de crever les gars, j'en ai marre. Et pas avec une armure tech. Parce que j'aimerais... Non mais laissez-moi tranquille, c'est quoi ça là? Oh oh oh. Bon, merci, non? On peut me regarder, enfin, est-ce qu'on peut me laisser un peu regarder ce truc? Eh mais, Meganora, putain. Ok. Alors j'arrive même pas à le cibler. Ah si, oh, comment il s'appelle? Keridronor. 80 000 PV. 80 000 PV, ça passe. Est-ce qu'il est amable? Ça est l'info. Thunder God, il est amable. Ok. Mais écoutez. Écoutez, hein? Très bien. On va aller le voir. Tellement bien ce truc. Ok, il a de la viande sur lui. Est-ce qu'il se tame avec de la viande? Il est en taming avec de la viande. Mais écoutez. On va le laisser se tame avec de la viande. Ah non, ça descend vite. Ah ouais. Et j'ai encore pas fait les narcos.
Écoutez, on va faire un petit aller-retour à la base. Bop, bop, bop. Le cas relou là, c'est qu'on peut pas sauter ni voler. On va prendre des petites directions vers la base. Par contre, c'est vraiment trop stylé ce super boost. Mais on va voir si ça fonctionne bien dans l'eau. Oh, oh putain, Jésus! Hihi. C'est trop bien. C'est tellement bien cette armure. N'empêche, t'as ça sur un serveur legit. Mais enfin, legit, pardon. C'est intombable, je pense. À part s'il y a bien sûr des bestioles aussi grosses qui te sautent sur la gueule que, comme ça m'est arrivé. Et qui te one-shot ton torse d'armure. Hop là. Donc on est à la base. Bon, tu vas t'ouvrir, t'es gentil. T'es ouvert. On peut réparer le torse. Je suppose qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Polymère, métal, cristal, black pearl. Alors. Alors, hop. On va prendre ça, on va prendre ça, on va prendre ça. Polymère. Du polymère aussi. Oh non, il n'y en a plus. Oh non. Voilà, cristal, black pearl. Je vais voir s'il y en a autre part, mais ça m'étonnerait, il y a du polymère. Polymère, du polymère, il n'y en a pas là. Du polymère, est-ce qu'il y en aurait là, peut-être? Peut-être, peut-être. Non, il n'y en a pas. Ok, super. Du coup, on va devoir attendre. Et... Ah oui, il fallait que je me fasse les trucs, mais c'était du mode extinction. Ah ouais, du coup ça fait chier. Est-ce qu'on a des Thunder Gods? Des Gods, pardon. Stego, Stego, Gods. Ok, il y en a une. Ok, bon, on va voir avec ça. Et du coup, ça va pas marcher. Hop, 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 hop. Il va manquer quoi? Ah oui, du métal aussi. Ah, il faut 60 polymères. Bon, on verra plus tard. On va les laisser se faire. Tranquille, man. Alors, les petits polymères, on va en envoyer un peu plus. Très très bien. Le métal, il y en a 3000, c'est très très bien. Du coup, je porte 2100 de poids, donc c'est plutôt cool. Je pense que l'armure booste à peu près toutes les stats parce que j'avais pas autant avant. Et on va retourner sur les lieux du crime avec notre petite keyboard de gods. Cours! Boah! Putain, et ça, franchement, c'est un kiff. Mais c'est un kiff, mon gars! Oh non! Gâchez pas ma course sur l'eau. Non. Ah merde. Et là du coup on peut pas accélérer dans l'eau. Ah ouais non, faut le jetpack. Bah, attention, on va attraper le caillou là-bas. Attention. Chaud devant. Par là non? C'est après. Il est là-bas. Il est encore au sol? Ah oui. Oh, merde. Merde. On tente des trucs les gars, on tente des trucs. Mais ça fait pas grand chose. En plus il a pas faim, faut la garder sur soi. Bon tant pis, je crois qu'on va le buter. Hein, je pensais qu'on va l'avoir avec un fusil comme ça. On va rentrer en surchauffe. Oh. Enlève-le de ta main! Enlève-le de ta main! C'est bon. Ah. C'est énorme. Bon du coup on va aller plus loin. Il y a une masse là? On passe. Oh, oh le choc mon gars! Oh le bruit! Oh putain! Bon du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre à tester? On a fait le Thunder, le Minotaur ne marche pas. On a des oracles je crois. Alors attendons, oracle, Epidaurus il s'appelle. Alors Epidaurus, qu'est-ce donc cette sorcellerie? Ok, il marche pas, très bien, on a Mollery, est-ce qu'il marche? Mollery. Marche pas, en plus on voit notre pote en face là. On a Wepa, je suppose qu'ils vont tous pas marcher ou comment ça se passe? Marche pas, est-ce qu'il faut aller dans l'eau, what the fuck? Il y a des trucs dans l'eau les oracles? Non, ça marche pas du tout. Enfin, lui il se rapproche vraiment. On a Whiskers the Patriot. Lui il marche. Oh. Ah c'est le lapin. Ok. Très bien, c'est un oracle. Pas très rare. Lui il s'appelle Sonar, donc je suppose que c'est un marin lui. Sonar. Et il marche pas. Ah non, il y avait écrit quoi? Oracle Keds. Ah ouais bah non, dans l'eau ça va pas marcher. Ok si, il aurait peut-être marché. Non, il marche pas.
Ok, il a été enlevé. Très bien. Il en reste d'autres choses. Il reste le ghost. Je sais pas ce que c'est. Il marche pas. Il a été enlevé. Très bien. Ride up this worm. Marche pas. Putain, mais y a rien qui marche, les gars. Rixus, non. Ferry, non. On a fait à peu près le tour. Non, ça, c'est bon. Au final, on aura fait quasiment tout le tour. Regarde bien. Ouais, Antomnia, Tom Hud. Ouais les gars, on a fait la totalité du mode mystique, je crois. Là, on a vérifié donc que les trucs qui n'apparaissaient pas n'étaient pas dispo sur le serveur. Et apparemment, j'avais raison. Parce que même, ils sont pas dispo et je pense qu'ils sont même pas implantés. On va aller vers la base. Oh, le serpent. Je l'ai envoyé à deux bornes. Salut mec. C'est très chiant là. On va remonter. C'est énorme ce truc. Oh mon gars, Jésus. Regardez ça. Ça passe en cas. Non, la vision cas ne marche pas. Ah, l'avance, si on se bouffe. Oh, salut. C'est énorme ce truc. Je pourrais faire ça pendant des heures. Et là, tu t'arrêtes, t'es tout calme. Bon, maintenant, on devrait avoir assez de polymère pour aller réparer le torse. Lulu. Lulu. Pardon, pardon, c'est bon. Je rigolais. Par contre, ça fait mal quand même, hein, quand tu rentres dans un truc. Hein. Et ça passe? Non, ça ne passe pas du tout. On va y aller à pied. Hop, on va monter ici. Très bien. Le polymère d'abord. Le polymère, il est là. Les arcs ascendants qu'on avait pris pour les boss. Et du coup, les boss qui sont beaucoup trop cheatés par rapport à la normale. Sachant qu'on peut pas choisir le niveau du boss. Ah oui, putain, c'est chiant, tellement de trucs là. Ah voilà. On peut pas choisir le niveau du boss, du coup, on subit, on va dire. On subit bien fort sur la gueule. Lui, il est bon, lui, il est bon. Voilà. Hop, est-ce qu'on va réparer ça? Ça. Au pire, si on peut. On peut pas. C'est déjà bien. Hop. Oh, il y a le Rex. C'est vrai qu'il est bien stylé. Il a pris des niveaux. Il a pris un petit peu de niveau. Ok, alors. Là, tu te passais en mode... En fait, c'est la même touche que la super vitesse, quoi. Je vais faire un petit tour avec parce qu'il est trop bien. Oh putain. C'est énorme. Allez, il y a les mecs qui font de la musique, je les ai mis là. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le viseur, c'est la tête du Rex. Ça paraît logique en plus. Surchauffe aussi. Je ne sais même pas. Arrêtons pas de tirer, on verra bien. Comme le PVP n'est pas activé, ça fait rien. Rien du tout. Oh lui. Oh là là. Ça fait tellement mal les gars ce truc. Oh, allez, repasse en mode normal. Oh, j'ai éclaté des fourmis. L'homme qui massacrait les Terror Birds. Là continue au corps à corps, hop, tu repasses en mode normal. Et quand il te casse les couilles, tu t'en vas finalement. Hop, on va traverser cette rivière. Et ce que je vais voir, les gars, c'est que je vais aller me renseigner de suite sur le prix des boss. Très bien. Dans ce truc, c'est tellement le feu. Et ça, c'est en fait, c'est des grands tout droits que ça tape.
On peut prendre de la hauteur, mon gars. C'est compliqué, c'est assez long. Regardez ça. Pour aller jusqu'à l'obélisque. En fait, c'est sympa, hein, c'est assez agréable. C'est smooth. Ok. Très bien. Hop. Et là, on trace. Et on lâche tout. Oh. Le stop que j'ai pris sur le mur. Oh, il y a le drac au feu. Alors, notre petit terminal. Tech réplicateur. Oh, on peut le crafter là. Incroyable. Ah, ça y est. Ça y est, ils l'ont fait. Oh les gars, ça va être tellement mieux. Ça va être tellement plus simple, putain. Ça va être tellement mieux pour faire les vidéos des boss. Voilà, là il y a trois niveaux. Il n'y a plus les trois trucs avec les niveaux, ok. Très bien, du coup on va faire une ellipse. Moi je vais préparer tout le nécessaire pour aller faire un boss en solitaire avec l'armure tech. On se dit à de suite, voir si je vais solote. Et ça se trouve je vais me faire défoncer. Je pense partir sur un dragon. On se dit à de suite. RIP moi, ellipse. Et voilà tous, ici le capitaine Ben Big. Nous allons partir pour un boss en solitaire. Comment cela va-t-il se passer? Nous allons voir. Il va falloir maintenant choisir. Un boss en facile pour commencer. Est-ce que l'on commence tout d'abord très fort avec le dragon ou plus simple avec les autres? Je pense que le dragon va être extrêmement difficile en solitaire. Il doit déjà avoir pas mal de vie. C'est peut-être plus sage de commencer par le Megapithecus ou peut-être la Broodmother. Maintenant qu'ils ont été mis à niveau. On va level 30 pour commencer. Nous allons commencer, je pense, avec le singe. Il est l'heure. Il est l'heure maintenant d'affronter le singe en facile. Avec seulement, les amis, un stuff. Un stuff en tech. J'ai enlevé l'infinité stat, évidemment. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je pense que ça va être extrêmement dur. Donc, ne pariez pas sur ma réussite. En tout cas, si je réussis, peut-être l'exploit. Incroyable. Le joueur français va-t-il réussir l'impossible? Naio m'a dit qu'ils avaient été 8 je crois pour tomber le premier boss. Broodmother en facile. Donc là... Ok, on a 20 minutes. Where are you? Oh my god, easy. En plus, le super sprint là, on pourra pas trop l'activer. À la vision. Il est quel niveau? Oh non, il est level 300 encore. Oh très bien. Ok, je ne peux pas tirer. Très bien. Je peux pas tirer les gars. Non. Oh non. Il est désactivé. C'est bon, la super vitesse, ça fonctionne. À se mettre là. On a d'autres armes. Ok, très bien. Il va falloir faire vite. Pas vite là. Là, je vais pas vite du tout. Il y a un caillou. Ok. Ok, j'ai l'impression d'être tranquille. Il m'a pas vu. Je cherche le l'arc. Arc à poulie, voilà. Ça c'est le nombre. Voilà. Et là les gars, je sais pas combien il est. Putain, il a 320 000 PV. Oh putain, la flèche qu'il a one shot. OMG. Oh le joueur français. Oh là là, mon dieu! Oh putain! Oh, ça fait mal! Ouf! 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 Doucement! Doucement! Putain, oh l'armée! L'armée des mille singes!
Je suis concentré les gars, ça vise sec. Et voilà. Ouh, j'ai plus de flèche. Eh non. Ah non. Oh non. J'ai pas eu le temps de loot. C'est des gamins. En mode nocturne. Mode nocturne plus détection. Et en mode normal. Ok. Bon du coup ça casse grave les couilles parce qu'il est level 300 même en facile. Donc. Il manque l'artefact du Hunter et l'artefact du Massive. Alors l'artefact du Hunter. Ouais je sais pas moi. Oh je l'ai eu. Premier try. Incroyable. Alors attendez. On va faire. C'est que je vais aller chercher. Alors c'est lequel qu'il me faut. Précisément. On va remettre là. J'ai buté le singe parce que je suis beaucoup trop fort. Et on va encore aller vérifier si cette broude. Ou à la limite le dragon. Mais pfff. Le Massive et le Skylord. Allez on peut tenter. Skylord, seigneur du ciel. Il est là. Hop. Voilà. Et le Massive l'autre. Massive ça doit être Colosse. Voilà. Hop, et voilà. Ok, mais go de dragon les gars. Mais du coup j'ai toujours pas les... Putain, faut que je me give des arrows avant. Des arrows. Arrows. Flèche en métal. Wow, allez c'est parti. Ah, il va en falloir d'autres. Voilà, très bien. 200 flèches, plus l'armure. Oh non. Le mec il sort du truc. Ok les gars, on part sur le dragon. J'ai one shot le singe parce que je suis tellement fort, lol. XD. Et là je vais me faire déchirer. Ok, très bien. Allons-y. Détection. Là, il faut pas d'armes pour la vitesse. Wouop. Il est là. Surprise. Oh putain son niveau. Il a 1 million 9. Il a un putain de 1 million 9. Est-ce que ça marche ça? Non, il est désactivé. Mais c'est plus la musique comme avant. Wesh. Oh je sais. J'arrive FDP. Oh je l'ai mise. Viens te battre! Chien! Ah, il va beaucoup plus vite que mes flèches. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! Un! Oh le massacre! Je suis au sol là? Oh je suis au sol! Oh putain! Bombarde! Oh non, ils m'ont pété le chest piece! Arrête! Non, il meurt pas! Non! Laissez-moi tranquille! Un! Mais putain! Voilà. Ok. Lol. Oh mon dieu. Il m'a pété les bottes. Oh il me claque la gueule. Oh je vais mourir. Ça passe? Ça passe de ouf. Oh là là le skill. Non, par contre il m'a pété les bottes et... Oh mais il va trop vite hein. Ça reste la fin du champion. Non. Non. Oh mon dieu. Le saut. Ah mais ouais j'ai plus les bottes pour amortir. Enfin, c'est fini là. J'ai fini 4 fois les gars. Il m'en faut dans en plus. La fin les gars. J'aurais fait baisser de la vie. C'est mort, c'est fini. Oh, c'est, je brûle. Et voilà. Dragon level 300. C'est la fin. Non. Je suis mort. Ah. Ah. Pourquoi? Pourquoi le modeur ne règle-t-il pas ce problème de niveau? Pourquoi? Et du coup, je reste sur un écran noir comme ça combien de temps? Nice. Du coup, on se dit à très vite. Pour une prochaine vidéo, c'était Zub & Big en solo contre le dragon et le méga Pithecus. A vous les studios. Et coupez.